c'est la VOD. VOD. Regarde la VOD comme c'est beau. C'est trop beau. On cherche nos crônes, VOD. Voilà, je suis dans la cité. La cité dessous la terre. De dessous la terre. C'est une cité qu'elle est sous la terre. Et en fait, il manquait un truc. La dernière fois que j'y suis allée, il fallait que je fasse des trucs. Bref, on a fait ces trucs-là. Et j'ai tué un cerf qui avait rien demandé. Et nous voilà à l'étape où je devais être. Bonjour YouTube. Les gens te disent bonjour YouTube. Wesh la VOD. Eh bien. La petite rapide. Du coup, voilà, on a fait... Bah, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Je vais vous trémon. Quoi, ça? Ah oui, c'est de l'herbe à charge de rose. Coucou, t'es l'émotion. N'oubliez pas, multicredit probablement sur Rome Subscribble. Ce sera plutôt probablement sur Subscribble. C'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci. 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 Voilà, j'ai fait ça. Attends, ça fait quoi si... Si je retouche, j'ai déjà tué le cerf. Hein. Ah, ça me permet de revenir ici. Si je peux y revenir, c'est peut-être qu'il y a des trucs à y faire. J'ai pas fait un tour, mais voilà, c'était l'endroit où il y avait... où il y avait le dieu de Princesse Mononoke. On a laté thème une dame... Dame Eboshi sans vergogne. Mais je crois qu'il y avait rien. Hein. Je crois qu'il y avait Rin. Est-ce que c'est possible que... Est-ce que c'est possible que mes dents soient trop pointues pour mes... pour ma langue? Franchement, là j'ai un côté où j'ai l'impression... Ma dent elle est trop pointue. Ça sera botte une dent? Je suis en une dent trop pointue. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, MySpace, Skyblog. Skyblog. J'en ai même pas eu, ni de l'un ni de l'autre. J'ai eu MSN. Sur MSN. Partagez à tous vos amis sur MSN. Toujours mon adresse. Mon adresse Hotmail. Faut poncer, oui. Ouais, ça se ponce. J'ai connu MSN. Ah voilà, les whiz. Mais moi, je veux les whiz, hein, sur... Je veux beaucoup les whiz sur Discord. J'adorerais. Ouais, t'es aussi sur YouTube. Ouais, je fais les deux en même temps. Non, je mets les rediffs sur YouTube. Quand ça vaut le coup. Je sais pas si là, ça vaut le coup. Mais je le fais quand même. Mais genre, quand je passe 5 heures ou 6, comme hier soir sur Planet Zoo, là, j'avoue, je les mets pas. C'est le bruit du whiz. Nous sommes à Nokron. Et il fait beau chez Nokron. Non, on n'est pas à Nokron. On est à la cité de Siofra. Mais je dois accéder à Nokron. Nokron qui, je pense, est genre là-haut, quoi. Je pense. Je sais pas comment y accéder. Je crois qu'il faut que j'aille d'abord à l'endroit où Radan s'est explosé quand nous l'avons tué et que, brisé par sa défaite, il a préféré exploser en une sorte de météorite. Donc d'avouer qu'on avait raison. Il y en a qui n'aiment pas... voilà. Qui portent mal la défaite. Mon portable me fait écrire comme si j'étais bourré. Ah, essaye d'écrire bourré, peut-être que t'écriras bien. Un best-of de tous les moments où tu parles, Zizi. Comme ça, on a aussi le clip. Cyberpunk, ah oui, effectivement, non mais... Et Cyber Zizi. Ah oui, c'est vrai. Dans Cyberpunk, il y avait un mec avec son Zizi qui explose. Ah, le zizi du gars qui explose. Parce que bah, j'ai trop tardé à l'aider, parce que ça me faisait trop rire de le voir en galère. Ouais. Je pense qu'il faut que... Marchand abandonné. Je pense qu'il faut que j'aille d'abord là où il y a eu l'impact. Pas ici d'ailleurs. Non, je sais pas. Là où il y a eu l'impact, après qu'on ait tué Radan. Je sais pas où c'est, je sais plus. Mais on va revenir sur la terre ferme pour voir. Je vais revenir. Je crois que c'est pas à Khalid. Pour revenir genre là.
on peut poncer. Une ponceuse. Ouais, pour poncer, je prends une ponceuse, ouais. Je le ferai pas. Je demanderai à un dentiste. Oh, je lui demanderai de me faire des jolies canines aussi. Un peu plus, un peu plus accentué. Pas stylé. Comme celle d'Avril Lavigne. Ça, j'aime bien. Bonsoir, bonsoir, Rio. Alors, je pense qu'il faut que j'aille voir l'endroit où il y a eu l'impact de Radan. Je pense, mais je suis pas sûre, hein. Ah, faut que j'aille voir Rennala aussi, on m'a dit. Donc, je vais aller voir Rennala, Rani. Oh, c'est pareil. C'est pareil, vous voulez tous les deux détruire le monde. Et Taros. Ah, voilà! Voilà, voilà, il y a l'impact là-bas. Je vais aller là-bas. C'est nuit, c'est chiant! Voyons! C'est terrible! Oh! Il y a un gros ours. Ah, mais c'est vrai qu'ici, il y a tous les ours. Je les supporte pas, ces types. J'ai un sous-demande de hanté. Bah oui, une bite. Mes propos pour pas l'adresse. Non, laisse-moi tranquille. Bah écoute, moi j'ai ça. Couille. On est cohérente avec hanté. On va bien ensemble. Alors, attendez, je vais m'éloigner de cette zone parce que c'est chiant. Ouais, je crois que ma dent en fait est trop pointue vers l'intérieur de ma bouche. Du coup, ça pointue pour ma langue. Voilà, on m'a dit qu'il fallait que j'aille à l'endroit où il y a eu l'impact. Wow. C'est encore plus stylé dans la nuit en fait. Ah ! Merde. On va vivre des moments émouvants. Si tu pouvais te retenir un petit peu, ce serait sympa. Oh là, il y a un truc. Waouh. Trop beau. Mais je peux pas descendre. Ah si, je l'utilise, je peux peut-être descendre, attendez. Je vais essayer. I'm gonna try. Ah non, je vais pas assez loin. Tant pis. J'ai entendu aussi un scarabée là. Ah, il est là-bas, c'est un scarabée de vie. T'en fiche. Il y a une fleur là, mais il y avait pas des fleurs ici, si. Ah là là, le monde change trop vite. Oh, qu'est-ce que c'est ça? T'as pris. Il y a trop de découvertes. Je dois aller à Nokron. Oui, bah oui, c'est pour ça que je dis à Mogdominar que je demanderai à un dentiste. Ça peut être condescendant, je l'ai dit bien avant que tu dises ta phrase. Ah, il y a des trucs qu'on appelle dentiste. Un traître de moins direction Nokron à présent. Par devant, je te rattraperai. Mais je sais pas où c'est Nokron, enfin, je sais pas comment y aller. Moi je vais aller à l'impact là. Moi je vais aller là où il y a eu. Il doit y avoir un gros trou là. Mais oui, il y a un gros trou maintenant. Ah ouais, il y a un gros trou. Avant, c'était la forêt ici. Ah, mais c'est fou. Oh, je suis choquée. I am shocked. J'essaie de me retenir. On m'a échappé. On dirait Caradoc. Pardon. J'ai voulu faire un soufflet. Ça m'a échappé. Comment je descends? Parce que j'ai quand même très envie de descendre au fin fond du cratère. Dilo et toi, vous parlez en même temps aussi. Désolé, on se coordonne pas quand on stream. Tu crois pas? Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne pas parler quand les autres streamers que je regarde parlent? Dilo et toi, vous parlez en même temps. Il me fume. Ah, merci, Trapi. J'avoue, je ne peux que plus soyer à ce qu'il dit. Ah merde! Je pensais que ça irait. J'avais beaucoup de runes. Je sais pas. Ah mince, zut et flûte. Je voulais regarder combien j'avais de runes. Bah oui, mais c'est trop tard là. On y retourne. Ouais, je vais à l'intérieur. C'est trop pointu. Ok, bisous, Raltei!
Passe une bonne soirée, à plus plus. Là aussi, t'as voulu faire un soufflet ? C'est parti un peu vite. Oui, c'est ça, c'est parti un peu vite. Bon ! Écoutez. Je vais péter de joie. Autant dans le chat que vous voulez. On a quand même des choses à faire. J'ai pas looté. Ok. Moi j'avais genre 9000 runes. Donc ça va. Mais bon. Ça commence à faire une somme chiante à perdre. En dessous de 100 000, je m'en fiche. Quand on approche les 10 000, là ça commence à être chiant. Quand on est au-dessus de 15, c'est vraiment chiant. Quand on est à 20, je suis deg. Et spalm. Voilà. Alors pas où je peux descendre. Déjà je vais récupérer mes trucs. Mais ils seront au bord, ils seront pas... Oui bah oui, au bord. Je pense. Mais je me troll. Qu'est-ce qu'ils font là mes trucs. Ah non 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 j'ai rien dit. Non ça va, j'étais là en fait. J'avoue. C'est combien? 36 980. Ah ouais. Ah. Attendez, on va peut-être faire un petit truc avant. Un petit truc quoi. Ah, attendez, j'avais pas vu que j'avais 36 000 runes. Mais oui. Je les ai bu. Attendez, attendez, je vais quand même les utiliser. On m'a dit qu'il me fallait de la vie et de l'endu. Donc je vais dans la vie et l'endu. La vie, je vais en prendre encore un et après je mettrai dans l'endu. Parce que bon, 27, ça va pas. 27 PV là. Ça. 27 PV, ça va. C'est tout pourri. On m'a dit qu'il fallait que. Voilà. Que genre le minimum un peu. Enfin, le minimum. Là où c'est bien et on peut arrêter, c'est à 1000 PV. J'ai 922, je suis quasi à 1000, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Faut que j'aille là-bas. En même temps, je me mets un point, mais je vois bien que je dois aller. Mais c'est trop stylé, ça a bougé complètement le décor, en fait. C'est trop bien. Je trouve ça trop cool. Maintenant, faut que je descende. Attendez, on va... Tout à l'heure aussi, il faisait nuit, alors je voyais pas bien où je pouvais descendre. Mais maintenant, je vois. Mm-hmm. Ah, mais là, il y a toujours une sorte de bruit, moi. Il y a de la brume. Hein. Ça me saoule en... La brume en... Alors, est-ce que je peux descendre? Non! Est-ce que je... Là, je peux descendre. Oui, je vais même pas essayer avec les petits cailloux. C'est que t'as... La dernière fois, j'avais fait ça et ça. Ok. C'est au plus bas? Non. Ah! Il y a une teugro là, où je ne m'y connais point. Un peu risqué, hein. Mais bon, c'était le seul chemin, donc de toute façon, ça allait être bon. La lumière a fait un truc bizarre. Il y a une teugro, les gars. Donc ça découvre les annonces sur le chat. Bien. On fout, je peux tout. Oh, du coup, c'est un château tout pété. Pourquoi il y a d'autres gens qui pètent tout? Il n'y a pas que moi. On va mettre une petite lumière, évidemment. Mais c'est pas là où il y avait les... Non, je confonds. Non, je comprends. Alors, est-ce que là je meurs si je fais tomber? On va tester avec la petite technique. Is ok. Ça m'a même pas enlevé de PV. J'avais plutôt confiance, mais bon. J'aime bien ces jolies petites pierres. En plus, elles changent de couleur, elles sont pas toujours la même couleur. C'est ravissant. Oh. Waouh. On aurait dit un œil qui me regardait de loin. Je pense ça en fait. Stylax.
Où je peux descendre là? Ouh, là ça se voit qu'on peut. Il y a encore des ennemis dans ces endroits comme ça? Normalement l'impact ça a dû piquer un peu hein. Ah là ça nous saute moins dessus hein. Graisse soporifique. C'est un Pokémon assez assez bedonnant, c'est vrai. Ah mais du coup c'est la cité. Ah Nocron, tu es Nocron. Nocron. Trop cool. Eh, vous avez vu comment j'ai fait ça naturellement? Vous avez vu comment le jeu est trop intelligent? Je voulais aller à Nocron, j'ai vu l'impact, je suis allé à l'impact, ça m'emmène à Nocron. Oh, incroyable. Bon, c'était logique qu'il faille aller à un endroit qui venait juste d'être chamboulé par une météorite. C'est assez logique de s'y rendre, mais je trouve ça dingue quoi. C'est comme ça qu'on va à Nocron, c'est grâce à l'impact. Alors avant on peut pas, elle est pas accessible. Dingue. Je l'ai tellement bien fait. Moi ça servait à rien d'aller voir Annie en fait. Non, ça sera. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, tu fais peur. J'en vais. Ah non. J'ai la portée. Is ok. Je pensais qu'ici il y avait un feu, mais pas du tout. Alors je me repose quelque part quand même. Je t'entends, Scarabée, je t'entends. I can hear you, little Scaraboon. Oh non, c'est un Scarabée comme ça, hein. Une souris. Bon, on va chercher un feu. J'ai trop petit jump. Voilà. La dead. Ça va. Ils peuvent m'envoyer des petits picots, mais à part ça on dirait pas plus pour le moment. Arc runique, j'en ai plein. Je vais admirer un petit peu quand même. Oh non, ça a tout défoncé la cité, ça me rend un peu triste. Demain c'est Scribble, on va dessiner des dingues tout à fait. Je vais être réussi sur YouTube. Ça, ça va être chouette ça. J'avoue que Scribble, ça fait longtemps que je voulais y rejouer. Ou Gartic, l'un des deux. Et comme je dis, on fera peut-être les deux. Hein. Bon, je peux descendre où? Ah, ça me casse. Non mais... Petite jambe. Ah! Allez! Je fous de ma gueule. Voilà. Faudrait voir avant pour aller sur le toit, parce qu'il y a clairement un truc sur le toit. Coquille vide de l'arme d'argent, pas l'âme d'argent. Ok. Ok, ok. Nouvelle compo. Je me demande si j'en ai pas eu une tout à l'heure. Ah ! Ah ! J'ai pas le bon truc. Économiser ma mana. Mon scarabée est parti, mais c'est pas grave. J'ai pas de quoi me TP, mais en même temps c'est logique qu'il y ait pas de trucs sacrés parce que bah je suis dans des ruines. J'aime pas quand c'est si logique que ça. Oh là, là au centre il y en a. Ah mais au centre je vois ce que c'est. Endroit où je peux pas accéder parce qu'il faut que j'aille en hauteur. Enfin, je vais en dire ce que j'ai dit, mais bref, je pouvais pas y accéder jusqu'à maintenant. Je
remettre des oies crochues. Oh tiens, maintenant que je sais en crafter. Je connais trop maintenant le multi. Il est un peu pas dingue. La date de la commande slash annonce. Mais bon, on a découvert ça aujourd'hui. Demain, le film Doctor Strange qui sort. Viens le voir. Ça fait une semaine que la salle est sold out en 3D VOST. Ah ouais, je regarde en 3D VOST. Je pense que les sous-titres en 3D, ça me prendra un peu la tête. Lire en 3D, c'est quelque chose... Enfin, lire avec des lunettes 3D, c'est un truc que je trouve très agréable. Là, par contre, c'est trop haut. C'est clairement too much haut, en fait. J'ai testé, mais j'y crois zéro. Bah, tu me diras ce que t'en as pensé, mon Gloomin Dark. Ah non ? Je vais prendre cher, là, non ? Comment je remonte ? Pff, pas besoin de remonter, hein. C'est tout pourri, ici. Franchement, c'est tout pourri. Je remonte pas, hein, c'est tout pourri. Voilà. J'ai pris des dommages. Ce serait un peu dommage. Ok. Et oui, j'en avais ramassé tout à l'heure, je me rappelle. Ouais. Ils sont forts ou ils sont pas forts? Ou ils sont mi-forts? J'ai éclaté! Il est tombé. Il est nul. Il est trop nul, quoi. Il est tombé. C'est un truc que je fais jamais, ça. Oh, il fait des figures. Arrête! Oh, flèche. Ah, il est tombé tout seul parce qu'il a eu peur. Non, c'est trop un truc de loser. Ah, Mugif automatique, ça c'est bien, mais c'est pas celui que je veux avoir. C'est bien d'en trouver. C'est très bien. Il est trop tombé, il est trop nul. Je vais louper vos œuvres d'art, je suis triste. Mais t'inquiète pas. Elles seront disponibles sur les internets, rien que pour ton plus grand bonheur. Moi j'essaierai de prendre tous les mots les plus difficiles. Voilà. Sauf si vraiment il y a un truc que j'ai envie de dessiner parce que j'aime bien et je trouve ça cool. Bon. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Par contre. Ok. Ah, d'accord. Un ciné connu ? Le ciné là ? Je connais pas Nice. Même si ça doit être chouette. Nocron, la ville éternelle. Oh ah, je suis trop enthousiaste. Oh, je peux peut-être le faire comme ça. Ouais, je vais éviter de gâcher de la mana. Hein. J'ai tout cassé tes os. Perle de cœur de Muguet fantomatique. Perle de cœur de Muguet. Est-ce qu'il faudrait que je la porte à l'autre là, les perles funéraires? Comme les perles funéraires ou pas du tout? Perle de Muguet, de cueilleur de Muguet. C'est fort surprenant, dis donc. Pas le temps. Pas le temps. Ah, j'ai raté. Ils ont pas de vie mais qui font mal s'ils me touchent. Genre leur feu bleu là. Je suis sûr qu'il fait trop mal. C'est plus mal qu'un feu pas bleu. Le blue fire. Ah, j'ai raté. J'ai pas raté. Ah, je me sens une... Ah, un combat un peu ridicule. Petite lanterne, elle est ouais, toute petite, j'imaginais plus grande la lanterne, j'avais jamais fait gaffe. Elle est toute petite comme ça, c'est...
Un bébé lanterne. First game, on joue cool. Ah, moi je joue, hardcore, moi je joue toujours au mode hardcore. Da. Bon, sauf à Elden Ring où j'ai pris mage. Seule exception. Mais moi, vous faites ce que vous voulez. Ne vous inquiétez pas. Il m'a pâté quasi tout neuf et j'habite à 50 mètres. Ah oui, d'accord. Dire que là-bas est rentabilisé de ouf. Mais oui, c'est vrai, quand t'habites juste à côté d'un ciné qui est vraiment correct, bah, c'est le moment de prendre un abo. Moi, c'est pas mon cas. On doit faire quand même un petit peu de borne pour en avoir un bien qu'on aime vraiment. Après, on n'a pas besoin d'abonnement. Parce que mon copain a des places à 1€. M'énerve celui-ci! J'ai pas réussi à sonner, Zamir! Mais y'a, Zamir! Oh, regardez! Oh, waouh! C'est les marques dans le Joker! En Joker. Pas le temps! J'ai pas le temps! Ah, y'a un mur! Non, ça je dois ramasser, je dois pas taper. Je peux mettre ma monture? Mais non, je savais que je pouvais pas. Ah! Oh le bâtard! Oh, j'étais trop en train d'admirer ma prise. Oh, je suis loin un peu. Dolby Atmos, image HDR Dolby Vision. Et bon. Et donc, inclinable. Genre, t'es allongé, tu mates ton movie. Ah ouais, elle a l'air d'être ouf ta salle. Elle a l'air d'envoyer du pâté. C'est un pâté Gaumont. Il est sympa. Eh bien. Le coup de karma. Comment ça, coup de karma? Je fais que progresser. Je t'ai vu. C'est ça le karma. C'est moi qui leur ai fait payer ce qu'ils m'ont fait faire. Ce qu'ils m'ont fait subir. Ils sont si méchants. C'est trop des méchants. Ils me sont... En tant que méchant, je te tue dans ton dos. Ah non, en tant que gentil contre un méchant. Pardon, petit lapsus, hein. En tant que gentil contre un méchant, je tue dans la lâcheté et par derrière. Je suis trop une héroïne. Je vais juste récupérer ça. Vu que ça ripop. Alors. Là, il y a ça, donc c'est bon, c'est fait cette zone. Ils ok. Là, bah, ça va être la prochaine étape. Oh, c'est trop stylé. Oh, c'est beaucoup trop stylé. Et ici, bah, j'ai déjà fait. Ah, il a les yeux qui brillent par contre. Il rapporte 1002. Et un normal, il rapporte combien? Ah mais ça dépend peut-être de leurs armes. Certains ils rapportent plus que d'autres. Oh je pense pas. 246? Ouais non, ils devaient rapporter plus à la base parce que je crois que ça va pas, pas autant. 246, ça non peut-être. Bon je crois que j'ai fait la zone. Pas tranquille. Oh, la portée des arcs, mais elle est monstrueuse, quoi. Très chiant. Ah! Ah! M'énerve! 56, ok. Bah ça rapporte vraiment beaucoup en plus, en fait, quand ils ont les yeux qui sont dorés. Je pensais que c'était moins du double. Pas du tout. Regardez ça!
Je laisse admirer quand même. Il y a des missions. Ah ouais. Et très bien. Ah! Quoi cette portée? Ah! Elle me tape! Elle me tape! Elle me tape! Elle me tape! Vache! On va éclater la gueule. Dans ta tronche, de méchante. J'ai raté. Ah, t'esquives plus là, hein? Parce que sinon, il y a du vide en fait, hein? Ah, le fouet de fou! Il projette le film Anne de Petrini. Il reste du jambon. Ah, le film d'Anne de Petrini. Anne de Petrini. Ah si, il projette. Et oui, pâté, jambon. Je suis sûr qu'on pourrait même trouver autre chose avec, avec de la charcute. Hein. Des screens pour faire un château dans ton parc. Ah mais les châteaux c'est tellement dur. Après par contre, en vrai, un endroit en ruine comme ça, franchement c'est pas une si mauvaise idée. On va faire une petite caps lock. Caps lock, n'importe quoi, capture d'écran. Excuse-moi. Petite caps lock là. Je connais l'anglais hein. Allez. Alors attendez, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, c'est pas. Il est où mon petit truc pour capturer qu'une région? Il est là. C'est sympa! Ah! En revenant dans le jeu, ça fait ça, quoi. Ça, c'est l'enfer! Allez. Qu'est-ce que c'est ça? Pas du loot. C'est pas du loot. Il y avait trop ce qui se passait. Pour l'instant, je les ai plus vus en forme de flaque. En forme de mob, hein. Du meilleur efficace, les gouttes d'huile, là. Oh. Oh. Mais c'est de plus en plus beautiful. Ok. Que je peux rentrer dedans. Je peux pas rentrer dans le bâtiment? Moi si. Rentrer ici. Ah non, c'est là d'où je viens. N'oublierai jamais d'où je viens. Ah bah je peux pas. Ouais, c'est juste. C'est peut-être juste une sorte de muraille. La vie de Mortadelle. Une balle de d'or celui-là? La vie de Mortadelle? Qu'est-ce que c'est? Une balle d'or, j'articule de mieux en mieux. Mais non, peut-être. C'est Blessipo. Ça, par contre, ça brille. Ah, voilà. Faut vraiment que je prenne les muguets fantomatiques, les fleurs comme ça. Pour améliorer mes invocations.
méchant. Bon, c'est parti, hein. C'est si part, en fait. Et pas un feu plus proche. Vraiment, je devrais me taper tout ça, quoi. D'accord. Ah, la vie d'Adèle. Je sais pas, non, mais des fois, il y a des noms bizarres pour un film d'animation chelou. C'est officiel. C'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci. Là, il y a une flaque. Oh, c'est une super flaque. C'est une wonder flaque. Non, mais vise-la. Oh, c'est une flaque qui se transforme en humain. Ah, c'est une flaque qui se transforme en moi. Waouh. Le meilleur des êtres humains. Ah, je te défonce, t'es trop nul, moi. Ok, ça, j'avoue. Ça, j'avoue, c'était easy à prévoir. Pas dans ce match là! Arrête de spammer le même coup! Arrête! Ok, je sais ce que je peux faire. Et ça, ça tu vas pas t'y attendre. Alors attends, 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 bouge pas! Attends, attends! Ah, ah non, fais-moi la maligne! Oh merde! J'ai plus de popo. J'avais pile poil pas la portée. Alors tu fais quoi maintenant moi, hein? C'est officiel. C'est Lux la meilleure. Oh ça on le savait. J'avais plus de vie, hein. Merci, merci pour le la meilleure. Merci, Bloody. Et salut, Bloody. Enfin, re. Alors. À présent, imiter un être. C'est officiel. C'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Un art de vie. Merci, Jay. Félicitations. Oh là. Regardez la tronche de Boubou. Ah, la tronche de bouclier fondu, quoi. Oh, c'est moche. Oh, mais pas ça, c'est moche. Merci, merci. Ah, il y a un feu ici. J'en avais un petit peu besoin. Tchouyou. Je peux pas monter de niveau. Il me faut 10 quasiment. 8000. Il me faut 8K, donc on va pas faire ça maintenant, hein. Et c'est fort sympathique ici, j'aime beaucoup. Ça va toujours ici? Oui, ça va, ça va. Je viens de me battre, moi. J'étais pas très forte. Regarde, hein, s'il y a rien à loot, Ted. Mais attendez. C'est complètement un endroit qu'il peut être intéressant de visiter. Il y a trop de love ici.
Là, c'est les Félox. Mais peut-être que, ouais, je pense que là, il y aura quelque chose. Genre, là, maintenant, après l'angle. L'angle qui est là. Hein, évidemment, je parlais pas de l'angle qui est genre là-bas. Là, c'est plus que sûr. Il y aura un objet caché. Genre à l'angle. Il est là. Bordel ! Un petit peu déçu. Bon. Ah ! Je vais pas faire ça enfin. C'est comment la map ? Ah ok. Bon, je vais revenir là. Hein. Oh c'est bon. Bon. Et on continue. On aura un petit loot pour récompenser ? Là j'ai vraiment eu un casque assez, assez abîmé. Non ? Non ? On va pas ? Au fond de la poubelle. Ah j'ai eu ! Ça va. Ça va, c'est géré. On va aller là-bas après, c'est sûr. Ça va être trop classe. Et pourquoi il y a des boules, des gouttes d'encre partout? Oh, regardez là-bas. Waouh, ça. Ça fait penser à l'immense truc. Ah bah oui. Mais oui, c'est ça. Ça, c'était la salle où on était, où on a combattu le boss. Mais oui. Mais il y avait une grosse cascade. Derrière le... Non, c'est pas le même. Je crois que c'est... Oh, je sais pas, on va voir. Il y avait une grosse cascade derrière le trône. Qu'est-ce qu'il vient de dire, Dylan, sur Anne de Petri? Non, non, j'ai compris la ref. Anne de Petrini, elle a fait un truc sur... qui veut manger la choucroute. Et du coup, en rapport avec le pâté, apéro, tout ça. J'ai compris. J'ai pigé. Est-ce que... Ah, y'a rien ici non plus! Je vais continuer, c'est pas grave. Ah, donc là. Là, ça pue le pénis, là. Là, il va se passer des trucs. On a des gars qui se promènent. Mais ils se promènent de manière menaçante. De dos. Et du coup, là, j'ai rien d'autre. J'avoue parce qu'on parle de quelqu'un de drôle. Ouais, non, mais j'avoue que l'humour raciste, moi, je maîtrise pas. Mais je laisse ça aux autres. Surtout si c'est votre truc. Mais voilà, hein, chacun son humour. J'ai envie de dire, pour beaucoup, il est super merdique. Pour d'autres, il est bien. Merci de présenter Burger Quiz. À Canal. Burger Quiz, Anne de Petrini, elle y était genre... Une émission sur une, à peu près. Je la connais que comme ça, je savais même pas qu'elle était réalisatrice. Je l'aimais bien. Bon. Non, je veux pas tuer les moutons. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là aussi? C'est vraiment des sortes de bergers. C'est les seuls mobs qu'on voit pour le moment, que j'ai vu pour le moment interagir comme ça avec la nature.
Ah, dans 2001, elle a présenté plusieurs. Ouais, ouais. Ok. Bon, c'est pas les émissions que j'ai regardées. Mais je l'ai vu tout le temps, en tout cas, sur le nouveau Burger Quiz. Je le voyais tout le temps. Après, là, ça fait un moment que je peux regarder, j'avoue. Parce que bah, je vis en Belgique. En Belgique, c'est pas Burger Quiz. Faut bien viser avec ta teuté. On entend chanter, vous entendez? Oh, c'est trop stylé. Attention, j'arrive. Ah! Ah! J'avais pu esquiver! C'est insupportable, ils sont 1200! Et MC, elle l'a fait une ou deux fois? Je te parle pas de présenter, je te parle d'y être. Elle y a pas été qu'une ou deux fois, genre tout le temps. Juste tout le temps là. Je promène de façon menaçante avec le kiki à l'air. Je suis à se cogner le zibou. Sur des cailloux quand tu te baisses. Vous êtes trop arrivé un naturiste, c'est ça? Si tu te mets accroupi pour ramasser un truc, t'as fait tomber quelque chose. T'as pas de poche, hein, donc bon, forcément tu viens tout à la main, donc ça peut tomber. Et hop, le zibou, la coucouille qui se cogne sur le caillou. Ah, c'est trop bien! J'ai cogné Zibou. Attention Michel. On dit on tient quand on se baisse. Ah. Ça te fait rire. Pourquoi? Pas toi? Est-ce qu'il rigole du malheur des hommes? Oh là là. Oh là là. Ça fait mal. Mais je sais pas, tu mets pas de slipou. Tu te cognes pas le Zibou? Fais attention à ton zibou. Moi je parle des naturistes. J'ai envie de dire, vous pensez pas à ça? Genre, vous que ça concerne. Vous dites pas, ça doit... Voilà, je sais pas, moi je pense à ça. Au bout d'un moment, c'est un malheur que t'as choisi quand tu veux être naturiste, hein. Faire gaffe, quoi. Il me saoule. Ça fait mal. Oh là 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 là. Oh, ça me fait rire. Bon, j'arrive pas à avancer, il m'énerve. Et vous là, vous parlez de sujets bizarres. Mais tu vois que c'est nos slips, c'est pas pareil. Donc ça vous est arrivé. Bah si, naturiste a forcément nos slips. En fait. Naturiste, c'est sans slip, hein. C'est naturel, quoi. Vanilla. Sans vêtements. Et donc forcément, il n'y a pas de slip. Ça me... Bizarre de devoir le préciser, mais c'est un vêtement, le slip. Ah, ils me font trop mal. Je peux pas les avoir au cac. Je vais arrêter d'y aller en YOLO. On va stopper le YOLO. Hygiène. No slip en jean. Vas-y, essaye une troisième fois d'écrire le mot slip. Je vais y arriver. Tu as fait deux fois la même faute. Slippy. Sûrement le nom d'un personnage de dessin animé, mais sûrement pas d'un sous-vêtement. Un slipy. Même si je l'aime bien. Je veux dire puzzle-eye. Si t'arrives pas à l'écrire, ça marche. Mais en même temps, qu'est-ce que tu fous à avoir pas de slip dans ton jean? Bon là, au bout d'un moment, faut poser les bonnes questions aussi, hein. Là, tu me dis pas slip en jean, je dis tu cherches la merde, surtout avec un jean.
Skin égale braguette. Braguette égale, égale zibou coincé. Zibou coincé égale moi qui me fait, bien rire. Il faut que je te bute, toi. Malheureusement, tu chantes bien. Tranquille. Ah, oh, j'ai pas. Ah, petite fente. T'as vu la petite fente? Mais bordel, pourquoi je tombe? C'est de la brume. Oh, chiant. Calmez! Vous allez fermer votre gueule! Ouais, tu te moques, mais bien sûr! Nos pauvres choses coincées dans la braguette, mais. En même temps, mais un calbut! Un calbut! Un calbar! Je veux dire un calbar. Je sais pas, il y a des solutions quoi, pour éviter ça. Alors franchement, si tu cherches la merde, tant pis pour toi de chercher la merde. Et puis si t'as pas de slip, ce qui est bien. C'est pas pratique. Un jogging ou un truc à boutons. Si t'as un de tout ça, tu cherches. Hein. Voilà. Question me taraude. Comment les naturistes font pour nettoyer leurs lunettes en balade? Un naturiste, c'est sans lunettes aussi, c'est pas très naturel. Hein. Est-ce que j'ai compris? Naturiste, c'est un peu ce côté nature et tout. Des os, les lunettes, c'est pas trop nature. Du coup, bah, tu marches, tu marches en voyant flou. Merde, du coup je regarde le stream et je me fais avoir, les conversations m'intriguent. Trop fort que je comprenne ce qui se passe. Pauvre Grisou. Est-ce que tu veux être rapide? Il est pas là, il est... Enfin si, il est là. Il est là, donc il va faire d'auto d'ici 10 minutes. Donc t'as 10 minutes où tu seras pas spoilé si tu veux. Avec des bourrelets, nettoyer avec des bourrelets. Avec les poils du pubis. Pareil un peu, mais... Pas des poussières. Pardon, bon, ouais, franchement, c'est une conversation vraiment d'enfant, hein. Ah! J'en ai marre. J'en ai marre. Mais j'en ai trop marre. Ok. Non mais j'arrive pas, d'accord. Là j'ai essayé de faire mon sort, c'est pour ça que je me suis arrêtée parce qu'il voulait pas, il a quand même pas voulu le faire. Pas grave, je vais faire un truc Non mais, sélectionne lui, il va me faire chier avec son arc. Hop. Non non, mon cheval. Mais je viens de me rendre compte que j'ai pu mettre mon cheval. Ce qui m'étonne beaucoup. C'est très étonnant. Et là, pareil, j'ai mis du temps avant de le voir. Pas séché. Oh, le sang gaspillé là. Bizarre, quand je suis à cheval, faut vraiment que je spamme les boutons pour que ça fonctionne. Pour que les inputs soient pris en compte, je sais pas pourquoi. Enfin si, j'ai une petite idée de pourquoi, mais c'est pas sûr. Pas trop relou. Non mais c'est ça que tu fais.
loot, il y avait un loot. Grand bandeau à cornes. Oh, c'était joli ça. Et il me voit. Non, ça va. Grand bandeau à cornes. Pas chier. Mais je veux voir le loot que j'ai. Oh, ça... ah, comment c'est trop stylé. Oh, vas-y pour le swag. Non, mais j'ai besoin de swag au bout d'un moment. Rose de bay. Bon, là, il y a un archer, on s'en fout. Oh, c'est un autre boss, ça. Sacré corne. Mais celle-là, on était, on a battu déjà le... le cerf. Là, du coup, il n'y a plus rien à faire. Ok, ok, ok. Faire des loups. Conversation de petite sœur quoi. Non. Arrêtez. C'est une petite sœur tranquille, moi je suis une petite sœur. Explication qui m'est arrivée. Piscine sans maillot. Bon voilà, déjà, non. Non, il n'y a pas de piscine sans maillot. Avec un boxer qui va bien. Et du coup quand tu pars, ben jean tout nu. C'est pas grave, calmez-vous. Ah, tu cherches, tu cherches. Non, piscine sans maillot, c'est dégueu. Pas piscine sans maillot. Bon, je comprends en vrai, mais non. J'accepte pas. Voilà. Pas envie de te donner raison, d'accord? Regardez tous les animaux de la forêt, mais ils vont mourir si j'y viens. Il y en a un qui court là à gauche. Des os. Oh, j'ai plus de sort. Je viens foutre le bordel à, avec ma monture là. J'ai même corps que vous. C'est trop solide. Comment tu vas faire là? Oh, j'avais un loot. Il y a un autre cerf. Mais j'y suis plein de bébêtes. Mais trop pas. Y'a rien à faire. Pourquoi y'a deux cerfs? Ça me perturbe beaucoup ça. En fait, Anus. Tu fais Anus. Tu dis ça à qui? Infernalou. Ah oui, Infernalou, bah oui. C'est qui connaît pas. Ce n'est pas encore la nouvelle, la nouvelle fonctionnalité incroyable du Twitch. Bon ça c'est dégueu. Bah, tu vois qu'ils sont... ah ils ont plutôt un côté gueux qu'un côté technocrate de la... de la défense. Ouais je choisis une référence française pour changer un petit peu. Silicon Valley c'est trop... oh. Je trouve pour ma part. Gueux. Mais gentil gueux. Nice gueux quoi. Attendez, faut que j'arrête de courir. Il y avait un truc que je voulais looter. Voilà. Ok, on continue. Je tue tout le monde. En même temps, bon, ils m'attaquent. Hein. Bon, je sais pas qui les a attaqués en premier, mais. On ne saura pas. On ne saura pas le fin faux de cette histoire. Enfin, bon. Oh, regardez un beau loup. Oh, un beau loulou. Ah, ils sont beaux ces loups, mais ils sont chiants. On va le faire d'abord en vrai, sinon il va m'emmerder. Non, mais avant on va fouiller pour essayer de trouver un campement. Posé. C'est bleu si beau. Là là, c'est beau, regardez. C'est beau. Ça va, je l'ai pas dit 1244 fois. J'y peux rien, cette région est quand même trop sublime. Ça va, silence.
Il va avoir full... Ah non, mais j'ai 33 000. Écoutez, il est pas... Ne stack pas avec ses loups dans un coin. Chiant, il bouge, donc on va profiter de sa mobilité pour l'éviter. Et essayer de trouver un endroit où... Oh, des méduses! On pourrait gagner notre petit level. Plutôt que de perdre, c'est... faire une... Vous croyez que ça, c'en était un feu de camp, mais pas du tout. Enfin, un campement. Les gars, vous avez jamais été à poil dans un jean? Vous avez jamais été... Oh, t'as lancé en slip? Franchement, t'es un mec chelou, t'es un mec chelou! Depuis le temps que je te le dis, moi! Voilà! Des ratounes! Ils vont tous m'attaquer, ils vont être chiants! Levier. Merde, je croyais l'avoir évité, je l'ai pas évité. Elle est bizarre votre boucle là. C'est des fausses notes, hein, c'est dégueulasse. Du coup, ça m'énerve. Mais trop cher, t'es trop deck. Comment ça? Trop loin. Me saoule toi. J'ai trop de ça en fait, je mets trop de temps à les trouver. Mais bon, le plus simple, c'est plus simple quoi. C'est plus simple de choisir le sort le plus simple. J'aime la simplicité. Ça fonctionne simplement. Sans maillot, c'est la vie. Bah... Je trouve ça dégueu, perso, hein. Mais bon, en fait, c'est surtout les piscines que je trouve dégueu de manière générale. Je crois que c'est les piscines tout court que je trouve dégueu et pas, même pas spécialement le fait d'être être à Walp ou non dedans. Ou quasi à Walp. Du coup, voilà. Mon avis est biaisé sur les piscines. Je déteste ça. Je parle pas du fait d'avoir sa propre piscine, évidemment. Parce qu'évidemment, ça, c'est le rêve. Je parle des piscines in public, tout ça comme ça. C'est ça. C'est ta propre piscine, bon bah, si elle est dégueu, c'est ta faute, quoi. Avoir tes couilles en place ou libre? Ah j'avoue, vous quoi ça balance, ça fait bizarre un peu? Genre des fois ça fait mal ou pas? Oh, c'est un délire avec mon ex. Je se foutre à poil dans le pantalon? Oh je préfère l'option sans pantalon du coup, hein. Je veux dire autant faire les choses bien quoi. Je veux dire avec mon copain... Astuce gameplay! Je vais retourner... Sur ton premier sort, tu vas s'appuyer. Oui, c'est vrai. Attends, c'est quoi mon premier sort? Je vais faire ça, on va voir. Ah ouais, ça va, c'est plutôt rapide. Merci.
En plus, mon premier sort, c'est de loin celui que j'utilise le plus. J'ai voulu bien atterrir sur le... Et puis c'est pas réussi. C'est vrai que pisser et piscine commencent par la même syllabe. Merci Rio pour l'astuce. Ah, arrête ! En vrai, si je m'en sors bien, c'est juste que c'est... Eh, y a plein de choses à faire et j'ai pas de point de respawn. Oh, facile. Velox, mais... Un vrai bravo ? Quelque chose me fait dire que non. Et merde, c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Ah, je préfère... Perso, je préfère me peigner dans du sperme de poisson que dans de la pisse d'humain. Change my mind. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Enfin, une pointe d'ironie, j'ai l'impression... de sarcasme, même. Pour vos compliments, là, je les sens pas, ces compliments. Là. Je me suis déjà basiquement baigné dans du sperme de poisson. Tu crois de la mer que la piscine? Non. Pas pour moi. La piscine, c'est la mer, c'est la nature. La piscine, c'est un cercle fermé là. Titre. Non, mais c'est vrai, hein. Parce que, en fait, j'ai déjà fait du snorkeling. De la plongée, mais la plongée, malheureusement, je la supporte pas avec mes oreilles, donc voilà, snorkeling. Et en fait, je crois que je me suis... que j'ai vu des poissons perroquets qui étaient en période d'accouplement. Et du coup, ils lâchaient leur truc. Voilà. Donc, basiquement, j'étais... bon, j'étais pas pile poil dedans, évidemment, je les regardais un petit peu, de loin. Mais l'eau était trouble, quoi. Alors que, normalement, elle était pas trouble. Donc, ouais, je pense qu'on peut dire que, voilà. Ah, c'était sympa à observer. Ah, moi, je préfère largement la mer que... La mer, le lac, les... Le mieux, c'est la rivière. Que la piscine, hein. Après, bon, la mer, je fais parfois une sorte de réaction au sel. Aussi, cette phrase, on peut dire beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, bah, parfois, ça, le sel, ça me brûle un peu la peau. Mais c'est pas tout le temps, mais c'est qu'après, bah, forcément, je suis pas très habituée à me baigner dans la mer. J'habite à Paris, puis à Bruxelles, c'est pas des endroits... c'est pas des côtes très connues, quoi. Bon, par où je peux passer, maintenant? On va retourner là-haut. Peggy 18. La mer a réagi au sel. La piscine au sel. Exactement. Voilà. Au sel écrit différemment. Complètement. Tu as très bien résumé ma situation. C'est vos côtes parisiennes, tout à fait. Paris plage, hein. Donc, ouais. Donc, je... Donc, malheureusement, c'est vrai que la mer, c'est pas rare que ça me brûle un peu la peau. Enfin, me fasse une éruption. Mais souvent, c'est que la première fois où je me baigne pendant les vacances et après ça va. Du coup, en vrai, je préfère de loin les rivières. C'est super froid. Donc en été, c'est bien. C'est pas sale. Et au moins, tu peux t'éloigner des tocards. Par contre, du coup, j'essaie de me baigner sans crème solaire, c'est pas bon. Souvent, je le paye un peu, quoi. C'est pas bon pour les petits poissons. Salut Wolf! Wolf, question existentielle. Tu peux faire te baigner dans une eau où il y a du sperme de poisson, parce que les poissons s'accouplent, ou dans l'eau où il y a de la pisse d'humain, parce que les humains pissent full dans l'eau. Sachant que dans la seconde, c'est fermé. Tu peux pas trop la fuir.
Les tocards ? Bah oui, les gens quoi. Il y a ça aussi, hein, c'est quand je me baigne, j'aime pas être dans la mêlée là de tout le monde. Ah, c'est pas mon que truc. Du coup, dans les rivières, souvent déjà c'est assez froid, ce qui fait que une partie des gens reste sur le bord bien au chaud parce que bon. Parce que bon, tant que c'est pas un bain, on se baigne pas quoi. Et du coup, bah, la rivière, souvent c'est suffisamment grand, ou long en tout cas, pour pouvoir s'écarter d'autrui. Parce que j'aime pas les autrui. Surtout quand je me baigne. Le pire, c'est une fois. C'était bah, c'est dans une rivière près de là où mes grands-parents habitent. On n'habite pas. Et en fait, il y avait. L'eau étant assez froide, il y avait souvent que les gosses qui se baignaient. Et du coup, moi, je vais la première dans l'eau quand on arrive avec mes potes. Et en fait, à un moment, je sais pas, il y a une gamine qui m'adresse la parole sur un truc où je sais plus quoi, je lui réponds. Après, voilà. C'est bon, on s'adresse à la parole, tu peux t'en aller. Elle s'en va. Et à un moment, je sais pas pourquoi, elle commence à se ramener avec ses potes, ou ses cousins, ou je ne sais quoi. Ils avaient genre entre, je sais pas, entre 7 et 10 ans, les 3-4 là. Non, mais moins pour le plus petit. La plus petite. Et genre, je sais pas, j'avais une bouée ou je sais plus quoi. Et commence à tous vouloir jouer avec moi. Je supporte pas. Enfin, les gosses que je connais, bien sûr, c'est des gens de ma famille. Donc je les supporte comme d'autres humains de ma famille. Mais de base, moi, je suis pas du tout... ça me gonfle d'être avec les gosses. Mais ils se ramènent tous sur moi. Mon frère était mort de rire, je crois qu'il m'a filmé d'ailleurs, parce qu'il sait très bien. Et à un moment, mais vraiment, je leur disais de me laisser tranquille, ils voulaient jouer avec moi et tout ça. Je leur disais, mais foutez-moi la paix, mais dégagez. Et ils étaient en mode mort de rire, en mode, trop marrante et tout. Mais non, mais vraiment, foutez-moi la paix, genre j'étais pris zéro au sérieux. Bref, je... C'était une expérience déroutante. Grande baleine bleue éjacule près de 400 litres de sperme. Mais ils disent que 10% pendant la fécondation. Avec les femelles. Ainsi, chaque fois qu'il y a un accouplement de baleines, la baleine perd 360 litres de sperme dans l'océan. Voilà, voilà, j'aime beaucoup cette anecdote. Salut Sam! Ça va ce mot? C'est pour ceux qui boivent la tasse. Bah, de toute façon, boire la tasse dans n'importe quelle eau où il y a d'autres créatures qui se baignent, c'est très risqué. Hein. Très risqué. Merci pour soin culture, tout à fait. Ils ont fait pipi dans l'eau ? Bah c'est des gosses, ça fait pipi tout le temps. C'est sans discontinuer. Vous avez compris le chat, elle vous supporte. Les saletés, les gosses. Ah non, mais oui, je sais pas, je... Ils s'étaient dit que j'étais leur pote, je sais pas pourquoi. Elle a mis des tout petits, mais grave. Priorité Lox, mais... Et c'est pas mes gosses, j'allais pas leur hurler dessus non plus, tu vois, genre... Les parents, ils sont chelous, hein. Une fois, j'ai dit à des gosses de fermer leur gueule. Bizarrement, les parents, ils sont venus me voir. Véridique. J'en suis pas fier en vrai. J'en pouvais plus. J'étais un sup. Allez, j'ai la gerbe. Oh, ça va, ça va. C'est bon là. Je joue normalement. Très bien. Tête de progéniture ancestrale. Oh, est-ce que je peux mettre la tête de progéniture ancestrale? Non. Bon, je vais peut-être remettre ça quand même. Même si j'avais quand même un putain de swag! Non, les enfants font pas pipi H24. Alors là, prouve-le. Je dis pas qu'ils font tous pipi avec un beaucoup beaucoup. Je parie que des gosses sur tout le temps quoi, un peu en continu quoi. Oh, c'est sûr. Ça dépend de l'âge je pense, mais c'est sûr. Il connaît vachement bien. C'est pour ça qu'on appelle ça des pisseurs et des pisseuses. Ils faisaient pas pipi, on dirait pas ça hein. Quand ta gosse me saoule, je le frappe et la saoule en cesse. Voilà. Encore une fois, c'est généralement, les parents, c'est chaud, quoi. Et puis quand t'as un groupe d'enfants, t'es pas sûr d'avoir le dessus, hein. Là, moi, ils étaient genre 5. En vrai...
En fait, je sais pas. Je sais pas combien je peux... Je sais pas si je peux marave contre beaucoup de gosses en même temps, mais je pense pas beaucoup, hein. Ah pfff. J'en avais fait. C'est cette conversation, ça, monsieur. Du coup, ils peuvent gagner, hein. Surtout les chieurs des moments. Oh, c'est pire. C'est pire. Pas aimé en tout cas, parce que quand il commence à partir en sucette en public, autant dire. Deux secondes, j'étais incendie. Mais oui, mais ça, tu sais, c'est... Les gosses sont dans l'eau, les parents bronze. Je te garantis que les parents, ils étaient pas à côté, hein. Ah non, ça prenait un début d'apéro, il était 16h là, il est l'heure. Non, un abat, c'est les vacances, les parents sont en vacances aussi, quoi. Voilà. Non mais en vrai j'ai géré. Je me suis enfui dans un endroit où ils avaient papier et ils étaient bien niqués, les gosses. Conversation, j'ai l'impression que je vais la payer cette conversation un jour. J'ai vraiment l'impression. Tu les étales en one shot. Alors il faut une arme. Franchement il faut une arme, une petite bûche. Avec une petite bûche, ouais, je pense que 5 enfants je me les fais. Ah non, faut pas que je descende là. Avec un bâton quoi. Un petit bâton peu qui flotte là dans l'eau. Ça va être chiant. Je vais perdre mes runes. Je vais être au fond du gouffre. Est-ce que je peux aller sur la côte d'ici ? Le cheval il va trop vite. Du coup parfois pour se... Puis il fait des très grands pas. Comme Aragorn. Ok. Mais en vrai j'ai pas besoin de revenir ici. Enfin je peux mais ça me sert pas à grand chose quoi. En fait je vais y revenir quand même pour voir si je trouve un feu de camp quelque part. Un œil, c'est tout. Un geste est compris. Oui, non, mais bien sûr, hein, en soi. Moi, j'étais du genre sauvage quand j'étais petite, donc jamais j'aurais été voir une inconnue en mode hey, je vais jouer avec toi, même si ça t'emmerde. Jamais. Ah, c'est le moment de toi alors. Du coup, généralement, mes parents n'avaient pas besoin d'aller très loin pour me surveiller. Ah, tu fais mal. Ah, tu vas être chiant. Ah, tu vas être giga chiant. Non mais vas-y, envole-toi. Je dirais rien. Non, oh, je fais zéro dégâts. Ça me saoule. Je tente plus des trucs, j'ai compris. Voilà, ça c'est fait. Saoulé. Trop chiant. Il y en a d'autres. Allez, des soldats. Oh, putain. C'est qui là? Qu'est-ce que tu... Eh, hey, c'est bon. Très bien. Je vais tous les...
Je suis trop loin. Ça a marché, il croyait pas. Ah, c'est toi, salut! Ok, il est où? Il est là. Ça a l'air très... très pas cool. Oh, ta flèche est plus grande! Dégoûté. Je vais pas du tout faire ça. Je vais faire ça. Et ça. Assez de portée. Oh, mais là, ah non, ça va, elle m'a pas fait très mal. C'est bon, c'est bon, je m'en vais. C'est lourd! Sûrement un lapin adulte. Bon, allez, calmez-vous sur le chat, il y a des choses cheloues qui se passent là. C'est un relou! Un peu. Un peu. Légèrement relou, quoi. Surtout que je l'ai vu plusieurs fois, ce loup, donc c'est littéralement relou. Oh, il est pile poil où j'étais. Bon, je vais passer les prendre, tant pis. Peut-être les utiliser avant. Ah. Hop là. Est-ce que c'est lourd ? Façon. Et oui, moi personnellement, l'humour noir, c'est pas quelque chose qui me dérange du tout. Mais ça, il y est sensible. Mais je comprends en soi. C'est pas quelque chose que je juge. Hein. Et d'ailleurs, même moi, avec des personnes qui me concernent complètement, je vous le garantis. Mais effectivement, j'ai vu que des fois, ça faisait des blancs. Notamment à un dîner entre collègues. Pas à dire du coup, mais... j'ai fait une blague qui me concernait en plus. Très directement. Mais ça a foutu un blanc. Donc je me suis dit effectivement l'humour noir, c'est un truc qui bloque chez des gens. Que je comprends.
Montée de niveau. Je vais mettre de l'endu. J'ai vraiment pas assez d'endu. J'en ai vraiment pas beaucoup. Hein. On va retenter le loup quand même. Ah non, faut que j'attende. Je vais monter là. Ok. Je vais retenter le loup, mais... J'ai eu tous les autres tours avant. C'est ce qui me saoule le plus, parce qu'après, bah, j'aurais plus assez de mana, et vu qu'il prend zéro de fucking damage. J'adore l'humour noir. Ouais, mais c'est vrai qu'on a, on a déjà eu cette conversation avec des potes où, typiquement, avec un pote à moi, on aimait beaucoup laguer par rapport à ça. Encore une fois, sur nos familles et nous concernant directement. Hein. Et ça gênait beaucoup deux de nos potes. En fait, on était quatre ou cinq. On était un peu trois à en rigoler. Ou... Non, deux à en rigoler. Et qui s'en foutaient et, hein, qui... et deux qui rigolaient pas trop là-dessus. Du coup, voilà. Je comprends que ce soit... Que ce soit tabou. Ça lui fait rien. Je prendrai plus ce risque là, ça fait rien du tout. Mais merde, j'ai mis 3 jours pour revenir quoi. Après ouais, ça doit être bien fait hein. C'est clair, il y en a qui mettent un petit peu dans la catégorie humour noir, plein de trucs qui ne sont pas du tout de l'humour noir. Parce qu'ils ne connaissent pas la définition et ne savent pas le maîtriser. Et ça aussi, c'est des conversations que j'avais eues avec certaines personnes. Ils pensaient faire de l'humour noir alors que c'était non, c'était pas le cas. Pas du tout. Ok. J'ai tout gâché. Un petit peu deck. J'ai touché mais ça fait rien. Il prend vraiment rien. Et là il va esquiver. Le problème c'est que à cheval, je peux pas trop le viser avec mon épée. Lui peut me viser assez facilement. Et mes sœurs aussi sont encore moins précis quoi. Trop long, c'est trop long. Trop long. Il m'a tué ma monture. Oh, ça fait. Vous êtes rapide. C'est subtil et bien fait, ça me gênera pas. Juste brutasse. Un exemple concret. Effectivement, je trouve ça juste naze. Bon, tu trouves ça naze, ça, je comprends. Une bonne grosse place sexiste qui finir par ça. Ça va, c'est pour rire. Ah non, en fait. Ah non, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. On peut essayer de faire un humour noir, mais ne pas y arriver. Ou alors ça matche pas. Mais en soi, il y aura pas de haine derrière. Alors qu'un humour discriminant de base, c'est assez haineux. Et en fait, c'est discriminant. Tu discrimines personne quand tu fais de l'humour noir. Sauf si tu penses en faire alors que t'en fais pas. Mais non, c'est pas la même chose.
Non, non, pas du tout, ça se compare pas du tout. Et justement, beaucoup de gens pensent que l'humour raciste, l'humour sexiste, homophobe, c'est de l'humour noir. Ce n'est pas le cas. Certains contextes où effectivement l'humour noir match avec cet humour-là aussi, mais en soi, non, c'est pas le cas. Et justement, il doit y avoir aucune haine dans l'humour noir, et c'est ça aussi la grosse subtilité de l'humour noir. Et que si... Si il y a de la haine ou, de la discrimination dedans, bah en fait ça n'a rien à voir. Tout simplement, ils respawnent les renards ou pas? Je pense pas. Les gros renards, je pense pas parce que... Ah peut-être en fait. Mais je veux tester, sinon je pourrais pas savoir, mais il a beaucoup trop de vie. Ok, je vais essayer de nettoyer, on va voir. Chier toi. Ok. On a encore un. Gage D en fait. Putain, je suis obligé de... Regardez, je suis obligé de niquer mon règne animal quoi. Bordel! Bonne humaine que je suis! J'y arriverai jamais hein, à placer cette merde là. Il a beaucoup trop de portée, je te déteste! Je te déteste! Ok, pas le choix, on va tester comme ça. J'ai eu? Ça interrompt pas, hein. Vite, faut looter, c'est très important. Tous des trucs de rosé dont je me sers jamais. Ah ah. Bon, j'aurai bientôt plus de popo. JPP. Mais bordel! J'ai plus de mana, j'ai plus de manoons. C'est bon, tu peux arrêter de faire mille sorts? Je déteste! Moi j'y arriverai pas, je pense. Hein. Bien sûr. Mais non, je peux pas invoquer! J'ai pas le truc! Alors je fais quoi? Coco! En vrai, c'est peut-être comme un géant. Franchement, sinon, je le fais pas. Hein. Bon. Horrible! On sait un jouet qui fait pouic-pouic. Wanonus. Je crois que c'est moi le jouet qui fait pouic-pouic. Pour le coup, je pense qu'il a... C'est ce qu'il faut. En même temps, bon. Là, je pense qu'il faut que je retourne voir Renala ou... Non, Rani. Ouais, j'ai compris, tu vas faire des sorts, ouais, j'ai compris. Je me tire. Non, je me tire.
Le gars il m'a dit je te retrouve à Nokron. Et moi je suis à Nokron et puis moi je l'ai pas retrouvé en fait. Alors je... Qu'est-ce qui se passe? Là je peux invoquer. Sache moi hein. J'irais passer si je l'avais pas vu. Il y avait une zone d'invoque? Ah d'accord. Ben c'était pas je sais pas où c'était alors. Ah, attendez. Ah oh c'est bon ça passe. Hein. Juste à côté de lui, mais j'ai pas vu. Ah. De toute façon, je m'en fous, il y a aucun intérêt. Il est trop nul. De toute façon, c'est un loser. Il est trop nul. Le pouvoir des cornes. Alors lesquelles? Faut que je le rebatte. Faut le revaincre. Les autres viennent là ou pas? Je vais mettre ma nouvelle invoque. Parce qu'il paraît, il est vachement bien. Bisous Wolf, bonne nuit. Quick, 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 Wamba. J'espère qu'il va bien me suivre. Oui, il me suit, mon avoc. Il me suit zéro, mon avoc. M'en va un peu, parce que ça utilise de la mana quand même. Je peux pas la invoquer. Bon bah, tant pis, on fait ce qu'on peut. Trompé. Attends, j'apprends. Deux secondes, j'apprends. C'est pas tranquille. Ah, je peux pas, ok. Mais beaucoup trop loin, qu'est-ce que je fais? Je gâche de la mana. Oh ça mouille. Vous avez prédit. Jeune. Je suis trop deg. La régène quoi. Quel ridicule comme ça. Les bruits, on dirait les bruits des lapins dans Monster Together, des sortes de bruits. C'est ça. Aïe. Oh non. J'ai tenté. Trop beau, en vrai c'est cette scène et tout ça avec la musique est sublime. Je la baisse pas parce qu'elle est trop belle.
On est trop les méchants. En même temps, bon, j'ai accepté de détruire le monde avec Rani, donc si j'en doutais encore, c'est peut-être pas nécessaire d'en douter. Je savais que c'était un petit peu lent. Ah, j'étais pas... pas à bonne distance. C'est marrant de voir toute la mana que je gâche. Non, stop! Arrête! Je peux même pas les tuer, les esprits. En même temps, c'est des esprits. Et la gêne de moins en moins. De tout. Bon, c'était stylé et très triste. Oh là là, en plus, ils sont palpables. Oh, ils sont palpables. C'est horrible. Regardez, ils sont palpables. Les cadavres, ils sont palpables. Les esprits palpables. C'est trop horrible. Palpable. Où il y aura rien, hein. Vas-y, on se tire. Mais c'est clairement le perso qu'on joue, c'est un gros enfoiré. Mais oui, le perso qu'on joue, c'est un gros enfoiré. C'est absolument tous les enfoirés de la map. Ah, surtout que moi, j'avoue, j'écoute vraiment les enfoirés de la map. Parce que j'écoute Rani, quoi, qui je pense est pas la plus cool. GG, merci! Oh là là. On fait un beau de lapin, Lox. Pas faux ça. C'est même bien vrai, tiens. Bon, bon, bon. C'est tout? Maintenant que j'ai fait ça, c'est... Il brille là-haut. Comment je vais à la suite, du coup? Du coup, je l'ai re-invoqué pour le retuer alors que je l'avais déjà tué. Pas très sympa de ma part, quand même. Je veux dire, qu'est-ce qui motive cette prise de décision? Quel est l'objectif, finalement? Moi, à la base, je voulais surtout retrouver Blade. Faut que j'aille là-bas. Ah, faut que je descende, en fait. Pas par où, il faut que je descende. Et bah très bien. Très bien, très bien. On va faire ça, hein. On va faire ça. Mais du coup, je vais couper la VOD ici. Ce magnifique point de vue. Au revoir VOD.